Ok, Anne, est-ce que tu peux te mettre sur tes marques, s'il te plaît? Bon, je pense que tu es au courant, Benoît veut plus continuer son 1%. Mais il l'avait pas arrêté de le dire pendant toute la soirée des 3 ans, hein. Je pense que c'est pas passé inaperçu. Et là, il est pas venu. Donc on organise un peu un casting parmi l'équipe interne, hein, pour essayer de trouver le remplaçant de Benoît. Merci de t'être proposé. Je sais que c'est ton rêve de faire 101%. Ah oui. Donc bah écoute, on va tout de suite essayer de voir ce que ça donne avec le sommaire. Ok. Bonsoir et bienvenue dans 101%. Alors déjà. Alors on dit plutôt bonjour parce que comme ça passe parfois le jour et le soir. Ah d'accord. Voilà, donc plutôt bonjour ou salut. Bonjour, bienvenue dans 101%. Alors aujourd'hui on va regarder les news, la critique c'est de jeu. Pas hyper bien prononcé. Hein. Ah, je recommence. On la retente. D'accord. Bonjour et bienvenue dans 101%. Alors tout de suite, on va regarder les news. Ensuite, il y aura la critique de jeu, Oscillation. Alors, là, t'as dit les news en premier, mais j'ai vraiment l'impression que t'avais jamais vu un 100% de ta vie. Tu sais, on dit d'abord la critique de jeu, Oscillation, Debug Mode, et tout de suite les news. D'accord, ok, je vais... Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, t'es obligé de dire les news au début et tout de suite les news à la fin. Enfin, ça n'a aucun sens. Oui, c'est logique. Allez, c'est la bonne. Bonjour et bienvenue dans 101%. Alors aujourd'hui, on va regarder la critique de jeu. Ensuite, il y aura Oscillation sur Zelda Link's Awakening. Et ensuite, Debug Mode. Mais tout de suite, on va regarder les news. Pourquoi tu prends ta voix aiguë? Je sais pas. C'est dimanche soir à 20h et des poussières, soit lundi vers 5h du matin en France, que Microsoft a ouvert sa conférence consacrée au projet Natal. Come back for more, Ian. Première surprise, tout le monde devait revêtir une espèce de chasuble blanc interactif avant de s'installer et d'assister enfin à l'énorme show. Des artistes du Cirque du Soleil animaient l'événement, habillés comme des personnages du film Avatar. Doté d'un dispositif scénique stupéfiant, ce show se déroulait sur un espace central sur lequel une partie du public évoluait, le reste des spectateurs étant répartis sur 3 grandes tribunes. Très vite, on comprend que le show sera avant tout un grand moment d'esbrouf pour finalement privilégier la mise en scène du projet Natal plus que sa démonstration. La seule réelle info de cet événement sera d'ailleurs le changement de nom officiel du projet Natal qui devient Kinect. Plusieurs titres sont présentés succinctement, comme un party game utilisant les avatars Xbox comprenant des courses en voiture en raft, et une espèce de muscle march où les joueurs doivent réaliser des figures afin de récolter un maximum de bonus. On découvrira également un jeu Star Wars avec sabre laser et dash fulgurant, une espèce de Wii Fit yoga, des épreuves sportives, courses de haies, football, beach volley, lancer de javelot, sprint, façon JO jouable en live et en split screen, et une espèce de jeu de danse où l'on doit reproduire des chorégraphies. Ces présentations sont projetées sur de multiples écrans qui font le tour de la salle, tandis que des acteurs sur une scène tournant à 360 degrés faisaient semblant de jouer. Et c'est bien ça le problème. En dehors des jeux présentés, tous casual, auxquels s'ajoute une simulation façon Nintendogs avec plein de bébés tigres à la place des chiots et une interface permettant de sélectionner des chaînes Twitter, Facebook, photos typées Wii, iPad, rien ne permettait de juger de leur degré de jouabilité. Avec Kinect, le contrôleur disparaît. Espérons maintenant que l'on n'entre pas dans le règne de l'approximatif avec la disparition de la notion de contrôle elle-même. Ce show Microsoft pose finalement plus de questions qu'il ne répond à celles que l'on se posait déjà. Espérons que la conférence de Microsoft de demain et surtout les jeux jouables sur le salon nous permettront de nous faire une idée plus précise de ce Kinect. Le seul moyen de retrouver la liberté, devenir le champion de Dofus Arena. En bêta test depuis 3 ans et demi, Dofus Arena va enfin passer en version release. Fort de ses 40 000 joueurs distincts chaque mois sur ses serveurs, Dofus Arena est un jeu dans la tradition des tactical RPG japonais, mais basé essentiellement sur le PVP. Il bénéficie bien sûr de nombreux ponts avec son grand frère Dofus. On peut évidemment jouer avec le même compte aux deux jeux et surtout gagner des items dans Dofus Arena qui pourront ensuite servir dans Dofus. Le modèle économique, quant à lui, est bien différent de celui de Dofus puisque le jeu reste entièrement gratuit et sans abonnement. Les joueurs les plus mordus pourront cependant investir dans des boosters virtuels pour agrémenter leur partie, mais Ankama garantit que cela ne donnera aucun avantage en compétition pour ne pas léser les autres joueurs. Dofus Arena va sortir en version finale le 21 juin. Ok, plateau 2, à toi de jouer. Alors tout de suite, on va regarder une critique de jeu, c'est UFC Undisputed. Alors, est-ce que c'est possible de faire une sortie, c'est-à-dire un retour plateau? Par exemple, en disant c'était de bien belles news. Okay, ou alors, merci Pierre-Alexandre pour ces news. D'accord, pas de problème.
C'était de bien belles news et c'était bien intéressant, mais tout de suite on va regarder la critique de jeu, c'est UFC Undisputed 2010, un jeu de free fight. Et je sais pas si vous connaissez, donc il y a une discipline de combat qui s'appelle le K-1, et au Japon il y a un lutteur qui s'appelle Nagashima ou Nagajima, j'ai oublié, Yuichiro, et sa spécialité c'est qu'il arrive cosplayer avant chaque combat, donc en Hatsune Miku, en truc de lato, etc. Et c'est super cool, et je sais pas s'il y a la même chose par contre dans le jeu, enfin bref, il y a peut-être que les otaku qui ont vu ce truc là, mais non Alex ? Ok, pas mal l'anecdote, mais t'as du mal à finir ton plateau, on dirait. Oui, c'est vrai. The beautiful Ariani. You ready, sir? You ready? Stephen Bonner. Vanderlei Silva. Régnant sans partage sur le monde du catch depuis près d'une décennie maintenant, le duo composé du développeur japonais UK's Media Creation et l'éditeur américain THQ avait brillamment changé de registre l'an passé. En 2009, à peu près à la même époque, sortait en effet UFC Undisputed 2009, une sorte de pari à la fois audacieux et finement calculé pour ce tandem de choc souhaitant s'attaquer à l'univers du free fight. Il faut dire que cette discipline a pris en quelques années une énorme importance dans le paysage du sport de combat mondial. Passé du statut de paria à cause de son extrême violence à celui de sport populaire pour les mêmes raisons, le free fight est aujourd'hui devenu incontournable dans les médias. C'est d'ailleurs en partie pour cette raison qu'UFC 2009 s'est très bien vendu. Près de 3,5 millions d'exemplaires avaient déjà trouvé preneur en février dernier. L'autre raison tenait à la qualité indéniable du titre, doté d'un gameplay technique très percutant et de graphismes permettant un rendu impressionnant des coups portés aux adversaires. Une brutalité parfaitement retranscrite qui a donc séduit un public abondant. Logique que THQ remette à nouveau le couvert en cette année 2010. L'ambition est claire, installer la franchise dans la durée avec une édition annuelle façon Electronic Arts. Mais pour cela, il fallait améliorer un jeu certes perfectible, mais déjà particulièrement bien calibré. Sous ses airs de brute épaisse, UFC 2009 s'était révélé plus que subtil. Son gameplay réclamait doigté et patience pour quiconque souhaitait en maîtriser les subtilités. Les prises au sol demandaient par exemple une certaine aisance manette en main. Le didacticiel était d'ailleurs un passage obligé pour tout joueur. Pour UFC 2010, prenez la même base et ajoutez-y un soupçon de réglage, quelques cuillères de contenu supplémentaires et un zeste d'amélioration visuelle et vous obtenez la préparation souhaitée. En somme, cet épisode ressemble au premier abord grandement à son aîné. Il faut se pencher pendant quelques minutes sur le gameplay pour comprendre que les retouches apportées, aussi infimes soient-elles, apportent énormément à l'expérience de jeu. Sans rentrer dans les détails inutiles, plusieurs points précis méritent toutefois d'être soulignés. À commencer par l'ajout d'un système d'esquive, tout simplement un oubli important de la version 2009. Ici, maîtriser cette technique s'avère juste indispensable. En abuser peut même se révéler meurtrier dans de nombreux cas. A noter également la nouvelle possibilité consistant à bloquer l'adversaire contre la cage, histoire de lui déboîter tranquillement la mâchoire. Évidemment, de manière plus globale, la liste des coups de chacun des protagonistes a été allongée. Tout comme le nombre de combattants d'ailleurs qui passe à plus d'une centaine cette année contre 80 l'an passé. Tous utilisent en plus des techniques différentes, allant du jiu-jitsu au kickboxing, en passant par la lutte ou le muay thai, il y a de quoi faire. En gros, certains sont adeptes des clinches et des prises de soumission, alors que d'autres essayent de manière plus animale de faire sauter les dents de l'adversaire directement avec les mains, les pieds ou les genoux. Comme pour l'édition 2009, il faudra apprendre les subtilités, les points forts et faibles de chaque art pour espérer gagner un combat. N'espérez pas débarquer dans cette version 2010 avec vos acquis théoriques ou votre entraînement sur le volet précédent pour vous en sortir. Les développeurs ont suffisamment modifié le gameplay pour vous demander de revoir vos bases. Au sol, par exemple, c'est désormais le seul stick droit qui vous sera utile. Il est plus facile de renverser une situation pour peu que l'on connaisse les manipulations appropriées. Surtout que certaines prises salvatrices ont fait leur apparition, permettant un panel d'options tactiques plus large au niveau des duels au sol. Plus globalement, le jeu a gagné en dynamisme grâce à des animations plus fines et plus déliées que l'an dernier. Les impacts sont encore plus violents grâce à l'excellent travail réalisé en ce qui concerne les collisions. Le tout est en plus renforcé par des dommages corporels toujours plus saisissants. Les corps bleutés, les visages tuméfiés font forte impression. Visuellement, la série est clairement montée d'un cran grâce notamment à une motion capture des plus maîtrisées. UK's n'en est pas à son coup d'essai et ça se sent. UFC possède toujours autant d'impact visuel. Côté contenu en revanche, pas de grosse innovation. Le mode carrière, déjà complet en 2009, s'est légèrement étoffé mais rien de transcendant toutefois.
Il existe quelques autres modes permettant de livrer des combats, mais là aussi, UFC ne fait pas dans l'originalité. En ligne, c'est la possibilité de former un clan et d'y inviter des amis pour le faire monter dans la hiérarchie mondiale qui demeure la toute nouvelle feature. Reste qu'un lag omniprésent plombe tout l'aspect online. Difficile à pardonner en 2010. THQ a choisi de produire un épisode par an, agréable en apparence pour les fans, moins pour le porte-monnaie. Il convient donc d'établir dans ce type de situation si des changements apportés suffisent à l'achat de ce nouveau volet. D'emblée, on note la bonne performance réalisée par UK's Media Creation. Le jeu est riche visuellement, doté d'un contenu classique mais solide et d'un gameplay technique et particulièrement profond. Les petites retouches ont en plus permis au jeu de gagner en fluidité et en punch. Le nombre de combattants a quant à lui été augmenté, passant à plus de 100 têtes connues cette année, chacun ayant un style toujours plus affirmé à l'écran. Trois d'entre eux sont par ailleurs exclusifs à la version PS3, tout comme les vidéos permettant de revivre des matchs de légende de l'UFC, intégrés grâce à l'espace important offert par le format Blu-ray. Toutefois, la base étant déjà excellente, on était en droit d'en attendre plus de la part du développeur japonais. Les défauts pointés du doigt l'an passé sont ainsi loin d'avoir été tous corrigés. Online, le lag continue de rendre les matchs compliqués, alors que le solo, avec un mode carrière globalement similaire à la version 2009, manque d'un brin de folie. Bref, UFC 2010 est la nouvelle référence du Free Fight sur console, mais l'absence de finition l'empêche d'être classé parmi les indispensables. Et s'il n'y a pas non plus à crier au scandale devant les 70€ que mettront probablement les fans, les autres pourront se rabattre sur l'édition 2009 ou attendre de trouver le titre en occasion. Donc Plateau 3, n'oublie pas le retour plateau. Et voilà, c'était sûrement un jeu avec plein de mecs super bodybuildés, avec des pantalons super moulants, etc., qui s'attrapent comme ça dans des poses bizarres. Mais on va passer tout de suite à Oscillation sur Link's Awakening, sur Game Boy, qui est un des meilleurs Zelda quand même. Moi, je me suis bousillé les yeux à force de jouer à ça, et c'est pour ça que j'ai des lunettes maintenant. Mais la musique est vraiment bien, et Macha va vous expliquer pourquoi. Pas mal, pas mal. Ce plateau-là était bien. La musique a toujours joué un rôle important dans la série des Legend of Zelda. Tout récemment, nous avons vu sortir un volet sur Nintendo DS dans lequel il fallait faire la collection de mélodies et accompagner divers instrumentistes dans des duos musicaux. La musique jouait donc un rôle primordial dans ce volet de la série. Pourtant, déjà 16 ans plus tôt, un volet contenant déjà une grande partie de ces éléments a vu le jour. Il s'agit de Legend of Zelda Link's Awakening pour Game Boy. Voyons ensemble quelques particularités de ce jeu dans lequel la musique est omniprésente. Un premier élément important est bien sûr le but du jeu. Trouver les 8 instruments magiques pour réveiller le poisson rêve. Chaque instrument peut être trouvé à la fin d'un donjon et produit un son unique, sauf le violoncelle, le cor et l'orgue, qui vont tous jouer une version du thème du Poisson Rêve, composé d'ailleurs par Kondo Koji. Une fois les instruments ramassés, on peut en jouer devant l'œuf du poisson magique pour le réveiller. Un deuxième élément musical important est l'omniprésence de mélodies magiques que l'on apprend dans le courant du jeu. Ces mélodies peuvent servir à la téléportation, mais vont aussi entrer en action à des moments clés où il faudra par exemple réveiller un ennemi pour pouvoir accéder à un donjon ou ramener à la vie un oiseau qui va être très utile dans la quête du joueur. Les connaisseurs parmi vous savent certainement que dans ce volet de Zelda, beaucoup de clins d'œil sont faits à d'autres jeux Nintendo, comme par exemple les nombreuses phases de plateforme peuplées de Goombas, une peluche de Yoshi, une photo de la princesse Peach
Ou encore, plus discret, Mr. Wright, créateur de jeux, apparaissant dans SimCity. Dans sa maison, vous pouvez d'ailleurs entendre un thème caractéristique du jeu. Finalement, vous pouvez remarquer que le célèbre thème de Zelda est repris et varié à de nombreux endroits dans le jeu. On l'entend bien sûr d'abord lors de l'écran titre, où il apparaît dans sa version la plus pure, bien qu'un peu plus sautillante et héroïque que l'original. On l'entend par la suite lors des phases d'exploration, cette fois-ci dans une version quasi identique à celle du premier volet de la série. La deuxième partie est néanmoins modifiée et donne au thème plus de richesse mélodique. Voici une autre version du thème que l'on peut entendre dans les montagnes. Plus tragique et agitée, elle est accompagnée d'une percussion galopante et des arpèges rapides. Sa mélodie est chantante et lyrique. On peut également entendre une variation du thème dans la forêt mystérieuse. Notez ici un rythme latin qui est à la base de la composition. La mélodie assez tordue et chromatique est accompagnée de petites notes très rapides qui vont lui donner parfois un caractère vraiment dissonant. Une autre variation du thème apparaît dans le village des animaux. Ici, c'est une version légèrement maladroite et grotesque qui représente certainement l'atmosphère qui règne dans le village. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur la bande originale de Link's Awakening. Riche et très variée, elle nous offre des musiques différentes pour chaque zone dans le jeu, aussi petite soit-elle. Notez aussi que chaque donjon a droit à son propre thème. La bande originale s'adapte ainsi parfaitement à la richesse de ce jeu plein de fantaisie et de découvertes, en exploitant au maximum les possibilités techniques de la Game Boy. Elle marquera ainsi des générations entières de joueurs. Si vous n'y avez pas encore joué, c'est le moment. Ok, bon bah là t'es bien lancé, donc vas-y, enchaîne. Et maintenant on va regarder la dernière rubrique, donc c'est le Debugman sur les 3 ans de No Life. Alors avec sûrement des gens qui sont un petit peu fatigués parce que c'était une heure tardive de la nuit et puis on a fait la fête. Mais je pense que ça va être super intéressant et il y a sûrement beaucoup de gens qui ont été filmés à leur insu et qui vont peut-être être choqués par leur image diffusée à la télévision. Peut-être même toi. Peut-être, oui. Le 1er juin, c'était l'anniversaire des 3 ans de No Life. Et il faut voir que c'est une soirée qui a demandé pas mal de travail à l'ensemble de l'équipe. Déjà, en préambule de cette soirée, on avait eu déjà des beaux programmes à l'antenne. La soirée Katsuka, classé 18+, et le programme spécial tourné au Stunfest, monté d'ailleurs en une semaine. Il est passé un peu inaperçu, mais je pense que c'est important de le rappeler. Déjà tout au long de l'année, la prod régulière demande beaucoup de travail à tout le monde, alors imaginez hein, quand une soirée comme ça se rajoute en plus, entre guillemets, forcément c'est beaucoup de stress. D'ailleurs, il y a eu quelques membres de l'équipe qui ont passé la nuit précédente à No Life, hein, qui ont dormi carrément sur place. Ça fait longtemps qu'on n'était pas si nombreux à passer la nuit à No Life ensemble, hein. C'était convivial, il y avait Mathilde, Jonathan, Cyril qui a terminé à 7h du mat son fameux compteur traditionnel, le compte à rebours hexadécimal. Oui, c'est vrai, je pourrais signer tant. Non, je pourrais pas le mettre à la... 3 ans, 5 ans. On
a terminé la prod vraiment à la dernière minute. Hein, il faut voir que si la soirée avait débuté à 19h, à la place du compteur, il y aurait eu la moitié des éléments qui n'auraient pas été diffusés. Quoi. Le compteur nous a sauvé la vie. C'est assez... voilà, pendant 2 heures, pendant qu'on le voyait défiler à l'antenne inexorablement, on terminait les plateaux de Davy, le making-of, les derniers mix. Enfin, c'était assez, assez stressant. Et j'entendais les musiques qui passaient, j'entendais les invités qui arrivaient en haut, qui commençaient à faire la fête, à fêter les 3 ans, pendant que nous, en bas, on trimait, on pédalait pour terminer à temps la soirée. Je suis un peu en stress, là. Je me dépêche. C'est diffusé quand, alors ? Dans une heure. Dans une heure environ. Et c'est en mix à côté. Tout a été un petit peu terminé à la dernière minute. Hein. Les plateaux avec Davy ont été tournés, je crois, vers 17h ou 18h. Bravo ! La première catastrophe de la soirée, voilà. À force d'avoir passé la nuit à côté de ça. Bienvenue dans les 3 ans de No Life. Je ne travaille plus à No Life. Cette soirée est vraiment exceptionnelle, encore plus que les 101%. Parce que... Là, la soirée a commencé depuis une bonne demi-heure. Et on est encore en de plus sur les derniers éléments de la soirée, à savoir le débat jeux vidéo. Vous hein, voyez, on en est à 60%. D'ailleurs, ça n'avance pas. Un jour, on va reprendre le fourneau. Enfin, ce qu'il faut le voir également, c'est que derrière cette soirée spéciale, on n'a pas eu genre 2 jours de off tranquille pour souffler et faire redescendre un petit peu la pression. Le lendemain, on avait un 101% à fournir, on avait un chez Marcus à fournir, et voilà, et toute la semaine, cette masse de travail supplémentaire s'est un petit peu répercutée. Par exemple, au niveau de notre chaîne, je crois que le jeudi à midi, l'émission n'était pas du tout finie, pas spiquée, tout juste écrite. Et d'ailleurs, notre chaîne avait prévu le coup en enregistrant un petit message d'excuse au cas où on n'ait pas le temps de finir son émission à temps. Salut, c'est notre chaîne. Déjà 3 ans de No Life. Bon, c'était l'anniversaire, hein. On a un peu fêté ça et je suis désolé, j'ai pas eu le temps d'écrire mes news. Enfin, bon, à bientôt les otaks. Ok, retour plateau, et peut-être tu peux rappeler qui c'est qui fait le générique de fin, comme ça on arrêtera de nous le demander. Oui, alors, donc, je vais commencer. 1, 2. Et c'était un bien beau 101% aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. Et je sais pas, peut-être vous vous demandez encore qui a fait le générique de 101% alors qu'on arrive presque à la fin de la saison. C'est un groupe qui s'appelle Bahashishi et le générique de fin s'appelle J'ai un trou de mémoire alors que c'est moi qui l'ai trouvé. Je crois que c'est mais Labyrinthe. C'est Labyrinthe, labyrinthe, hein, logiquement. Donc voilà, on se quitte, c'est la fin de 101%. Je vous dis à bientôt, j'espère que ça va marcher et tout, et à bientôt. Ok, voilà, alors, tu pars un peu vite. Hein. Je pars un peu vite ? Non mais c'est bon, ok, d'accord. Merci, je te dirai hein, si on te prend ou pas. Quoi. Ok. Ouais. Non mais ça va pas du tout là. Non. Ouais, pour autoplay, sample, ouais, à la limite, mais là, pour 101%, non, il faut... Oui, je sais, c'était bien que ce soit une fille, mais... Non, on va chercher quelqu'un d'autre, on va essayer... Ouais, Thierry ? Ouais, ok.